et bienvenue chez Mamali, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un plat typique et classique de la cuisine chinoise, un bœuf sauté aux oignons. C'est super simple et super rapide et je vous livre tout de suite la recette de ma maman. Pour 4 personnes, vous allez avoir besoin de 400 g de viande de bœuf comme de l'aiguillette ou encore du merlan, d'un oignon, d'une gousse d'ail, de 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, de 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, d'une cuillère à café de sauce de soja concentrée, d'une cuillère à café de fécule de pommes de terre, d'une cuillère à café de sel et d'une pincée de poivre. Donc la première étape consiste à préparer la marinade. Donc pour ça, on va émincer finement la viande de bœuf. Faites des lamelles de viande de bœuf d'environ 5 cm. Et ensuite, dans un bol, vous allez déposer vos morceaux de viande. Et ensuite, on va verser 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, d'une cuillère à café de sauce de soja concentrée, d'une cuillère à café de sel et une petite pincée de poivre. Et ensuite, on mélange le tout de manière homogène. On va laisser la viande mariner pendant 20 minutes. Pendant ce temps, on va d'abord émincer l'oignon. Donc pour ça, je retire d'abord les extrémités, je retire la peau, je coupe en deux l'oignon et je retire la germe qui se trouve au centre de l'oignon. Et ensuite, on dépose le côté plat de l'oignon pour l'émincer le plus finement possible. Maintenant, la gousse d'ail. Donc, on va d'abord écraser la gousse d'ail pour retirer la peau plus facilement. Ensuite, on coupe en deux la gousse d'ail. On émince d'abord la moitié d'une gousse d'ail, dans un sens, puis de l'autre. Et ensuite, on hache le tout. Donc pour ça, très simple, on dépose la pointe du couteau sur la planche et avec un mouvement de poignet de droite à gauche, on va hacher sur tout le tas de l'ail. Maintenant, place à la cuisson. On dépose le wok vide sur la gazinière ou sur la plaque de cuisson. On fait chauffer le wok et dès que le wok est chaud, on va verser une cuillère à soupe d'huile de tournesol et on fait en sorte que l'huile soit bien déposée sur toutes les parois du wok. Et ensuite, on verse l'oignon émincé. On remue le tout jusqu'à ce que l'oignon soit quasi saisi. Donc pour ça, il faut juste que l'oignon soit légèrement transparent. Toujours dans le même wok, on va verser 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et on va faire dorer l'ail haché. Lorsque l'ail a pris une jolie couleur dorée, on va pouvoir déposer la viande qui a été marinée pendant 20 minutes. Toujours à feu vif. Et ensuite, on remue le tout fréquemment jusqu'à ce que la viande soit quasi saisie. Lorsque la viande est quasi saisie, on va pouvoir verser l'oignon émincé et on mélange le tout pendant encore 5 minutes. Et pour obtenir plus de sauce, dans le bol qui a servi à la marinade, on va verser une cuillère à café de fécule de pommes de terre ou de maïzena qu'on va diluer avec 3 cuillères à soupe d'eau froide. On mélange le tout. Et ensuite, on le verse dans le wok. Et voilà, vous venez de réaliser un bœuf sauté aux oignons. Il ne reste donc plus qu'à dresser ce joli sauté de bœuf aux oignons dans une jolie assiette et de le déguster avec un bon bol de riz. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos de Mamali.